Bonjour, nous allons présenter une vidéo sur les notions de fonction. Dans un premier temps, la définition, puis dans un second temps, un exemple avec la machine f. Donc je vais vous lire la définition. Une fonction f est un processus qui a un nombre x fait correspondre à un unique autre nombre f de x. Tu remets le stylo du boulot. Donc, pour la machine f, on prend un nombre 4, donc x, on le multiplie par 2, on obtient 2x, puis on soustrait 5, on obtient 2x moins 5. On peut aussi... on peut aussi exprimer ce procédé par son expression algébrique f de x est égal à 2x moins 5. Nous allons calculer l'image de moins 3. On remplace x par moins 3. On fait fois 2, ça donne moins 6. Et on soustrait 5, qui donne moins 11. Donc, f de moins 3, écrit de moins 3, est égal à 2x. Ok. Moins 5. Et voilà. Ah oui, et le résultat, c'est f de moins 3 est égal à 2 fois moins 3 moins 5 qui donne moins 11. We are the champions. On va calculer l'antécédent de 4. Donc, il faut résoudre f de x est égal à 4. Donc, 2x moins 5 est égal à 4. On ajoute 5 à chaque membre. Donc, 2x est égal à 9. On continue là parce qu'il n'y a plus de place, comme on peut le voir. Donc, 2x est égal à 9. Et maintenant, on divise à chaque membre. Et on obtient 9 demi. On conclut que x est égal à 9 demi. Oui. 4 a pour antécédent 9 demi et 9 demi a pour image 4. C'est fini. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Salut. Je vais vous montrer comment calculer l'image de moins 1 par la fonction f, qui a x associé moins x au carré plus 4 à l'aide de la courbe. Ici c'est l'axe des abscisses et ici c'est des ordonnées. Nous allons placer moins 1 sur l'axe des abscisses, puis nous allons monter sur la courbe pour trouver le point qui a pour abscisse moins 1. Puis nous allons regarder sur l'autre axe des ordonnées pour trouver le chiffre. Et nous pouvons voir qu'il y a 3. Donc, f de moins 1 égale 3. Donc, nous allons chercher maintenant les antécédents de moins 5 avec la courbe. Donc, nous prenons moins 5 sur la droite des ordonnées et nous regardons les points de la courbe. Donc nous voyons que ce point a pour abscisse moins 3 et celui-là a pour abscisse 3. Donc 3 a pour image moins 5 et moins 3 a pour image 5, moins 5. Attends.
Théo. Bujente. Pachi. De Belinda. 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 Génial. Bonjour les amis. Bonjour, nous allons vous présenter les notions de fonction. Dans un premier temps, je vais vous dire la définition d'une fonction. Une fonction f est un processus qui a un nombre x, fait correspondre à un unique autre nombre, on le note f de x. Là-bas. Puis je vais vous donner un exemple pour calculer une fonction qui s'appelle la machine. Voilà. Un nombre quelconque pour représenter x, on le multiplie par 2, ça fait 2x, puis on soustrait 5, ça fait 2x moins 5. On peut aussi représenter ce processus par son expression algébrique 2x est égal à 2x est égal à 2x moins 5. Donc, maintenant on va calculer. Image 2, moins 3, donc on va mettre moins 3 à la place de x, puis on va faire moins 3 fois 2 qui fait moins 6, donc bonjour, alors nous allons... Non, attends. C'est donc... Non, f de 9 demi est égal à 4. 4 pour 5, c'est 9 demi. Mathéo, conclut. F a pour antécédent 4. 4. Ah, f de 4 a pour antécédent 9 demi. Et 9 demi a pour image 4. On va calculer l'antécédent de 4. Donc f de x est égal à 4. Donc 2x... est égal à 4. Il faut f de 4. Voici la courbe représentant cette fonction. Sur l'axe des abscisses, nous allons chercher une image de moins 1. Puis nous allons monter en haut. Qui va pas monter en haut. 2. Ah merde, c'est trop tard. Voici la courbe qui a pour fonction f. Cette vidéo vous a été présentée par Bichette, Mathéo, Pachi. Ouais. C'était trop bien. Vas-y, parle, dis un truc. Tiens, mais danse, t'es quand tu danses. Alors, nous avons présenté une notion de fonction. C'est une super activité. Ouais. Avec mes compatriotes, Mathieu et Fati. Attends, on peut faire quoi? Je serai très content de faire avec vous, hein. Voilà, excusez-moi. Je suis ému, pardon. C'est bon? Bon lanceur, hein, t'as un très bon lanceur. Ouais, c'est très bien. Attends. Attendez. Pause. Stop.